Ce cornet, flûte. Bonjour, je m'appelle Diego Innocenzi, je suis organiste. J'habite à Genève, en Suisse, et je suis d'origine argentine. Je suis né à Buenos Aires et j'étais organiste de ma ville, de la cathédrale de ma ville, qui s'appelle San Isidro. Cette cathédrale possède un orgue Cavaillé-Coll. Donc, depuis mon tout jeune âge, j'étais emprunté par la sonorité de la musique française et des orgues français. Je suis venu travailler en Suisse auprès de Lionel Rogue. Et à la suite de la fin de mes études, je suis allé à Paris travailler auprès de Marie-Claire Alain. Toujours passionné des musiques sacrées, j'ai fait aussi des études auprès de Michel Corbeau au Conservatoire de Genève, toujours des directions chorales. Je suis ici à Bordeaux pour faire donner deux récitals sur deux instruments extraordinaires, si je pourrais dire. Un, c'est ce magnifique orgue qu'on voit derrière moi, l'orgue d'Ombedos, le seul exemplaire qui nous reste de ces célèbres facteurs d'orgue et théoriciens. C'est vraiment une école pour les facteurs d'orgue et aussi pour les organistes. Car quand on arrive ici, on a déjà entendu l'orgue lors des enregistrements, on connaît l'instrument par des CD, par la documentation, mais le jouer, ça implique une autre dimension, c'est le côté spirituel et émotionnel. Donc le programme de ce soir commence par un grand classique, c'est une des suites de Nicolas de Clérambault, qui est vraiment l'apogée de l'âge d'or de l'orgue classique français. Et ensuite, on entendra des œuvres de Beauvarlet-Charpentier, de Lasseux, ainsi que de Gervais Couperin, qui est, on pourrait dire, le dernier de la dynastie des Couperin, avec un magnifique offertoire. Et pour finir, je voulais faire un petit écho de cette musique classique française, mais revue ou revisitée par le XXe siècle. Et c'est grâce à Charles Tournemire, qui a été organiste à la basilique Saint-Clotilde à Paris, ainsi que professeur au Conservatoire de Paris. Et Charles Tournemire était passionné de musique ancienne. Il a édité les œuvres de Dietrich Buxtehude et il a composé une suite évocatrice. Et c'est une suite avec les registrations pour l'orgue classique français. Est-ce que quelqu'un pourrait venir tourner la page ? Eh bien, bonjour, je suis Philippe Clavier. Responsable actuel de la Renaissance de l'orgue à Bordeaux, qui est une vieille association créée en 1947. Donc aujourd'hui, nous fêtons d'une certaine façon les 66 ans d'existence de cette association d'orgue qui est unique en France, à l'instigation du chanoine Lacaze, qui était l'organiste titulaire de la cathédrale Saint-André de Bordeaux, qui a jugé qu'il fallait, à un moment donné, créer une structure pour faire venir les grands organistes français à l'époque. Il n'y avait pas tant que ça, une dizaine à peu près. Et ces gens-là donc, ont été invités à venir jouer l'orgue de la cathédrale, essentiellement la cathédrale. Et c'est comme ça que cette belle histoire a commencé. Donc les grands artistes français venaient donc à Bordeaux. Les publics bordelais étaient présents également à ces concerts. Il y avait beaucoup de monde. Et puis tout ça a vieilli jusqu'à la restauration du grand orgue de Sainte-Croix de Bordeaux, le fameux d'Ombedos que le monde entier attendait. Cette résurrection de cet orgue a également été une résurrection pour l'association. Et depuis 1997, nous organisons donc à Sainte-Croix des concerts au nombre de 10 ou 15 ou même quelquefois une vingtaine par an. Je ne voudrais pas parler uniquement de l'orgue de Sainte-Croix. Il y a également l'orgue de Saint-Michel qui a été restauré en 2011.
C'est un magnifique orgue d'une esthétique totalement différente, bien sûr, que celle de Sainte-Croix, puisque c'est un orgue du 19e, de Joseph Merklin. Mais nous pouvons, avec cet instrument nouvellement restauré, élargir considérablement le répertoire. À Sainte-Croix, bien évidemment, c'est le répertoire classique français qui est merveilleusement servi. Et il fallait également un lieu pour pouvoir donner la musique romantique et la musique symphonique, et peut-être aussi une partie de la musique moderne. Nous organisons également des masterclass pour les organistes un peu plus confirmés, ceux qui sortent des conservatoires ou qui y sont encore. Bon, nous appelons ça une académie, bien évidemment. Et puis, nous avons également organisé des concours d'interprétation et également des concours de composition.